Allez, salut, salut, salut les gars, c'est toujours moi de Sam Hospita. Et comme vous le savez, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et ici, sachez déjà que je donne des informations sur les bourses. Et puis j'aide aussi à les postuler. Donc ceux, par exemple comme ça, qui n'arrivent pas à postuler, qui ne savent pas comment faire, vous pouvez m'écrire une bourse pour que vous regardez dans la description de la vidéo. Voilà, il y a mon contact WhatsApp, vous pouvez m'écrire là-bas pour que je puisse au moins essayer de vous aider et puis on puisse s'entendre sur un certain thème d'éléments pour qu'on puisse postuler pour vous. Voilà, donc comme vous le voyez là, je vous avais promis que j'allais vous montrer comment est-ce qu'on postule à la bourse de l'université Manitoba au Canada. Voilà, et c'est une chose qui est faite. Voilà, puisque je vais faire maintenant je vais vous montrer actuellement comment est-ce qu'on fait pour que vous sachiez au moins dans quelle direction vous mettre, que vous sachiez au moins comment est-ce qu'on postule à ces bourses là. Donc à l'université de Manitoba, vous savez déjà que c'est une université qui est hyper réputée et c'est une université qui est comme l'université de Montréal, c'est-à-dire pour les entrants, pour ceux qui viennent juste d'entrer dans cette université. Voilà, vous allez postuler à l'admission et ils vont examiner et vos dossiers pour l'admission et vos dossiers pour la bourse pour que vous puissiez au moins avoir une bourse pour aller étudier. Et je vous rappelle ici, pour cette université là, il n'y a pas assez de bourses. Voilà, donc ceux qui veulent postuler, sachez que ça sera compétitif. Donc il faudra vraiment postuler dans un meilleur cas. Voilà, donc ici ce que nous allons faire maintenant, avant de continuer, je vais, pour ceux qui me posent des questions en ce qui concerne les vidéos que je mets en ligne, comment est-ce qu'on fait pour les voir et tout ça, vous allez directement sur, par exemple comme ça, sur YouTube, et ici vous écrivez Monsieur le Russe 225, vous comprenez. Si vous écrivez Monsieur le Russe 225, vous allez voir que si je mets par exemple Monsieur le Russe 225, ça sort là. Vous venez là, vous cliquez sur Monsieur le Russe 225, vous allez voir que j'ai mon compte qui est là. Donc vous cliquez sur l'élément qui est là, qui est Monsieur le Russe 225, vous allez voir, vous allez pouvoir atteindre directement la plateforme. Vous voyez là, vous venez sur vidéo, et lorsque vous venez sur vidéo, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai déjà mises en ligne. Voilà, mais en passant, essayez de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour ne pas rater une vidéo que ce soit. Donc ici, vous allez voir toutes les vidéos, y compris les vidéos en ce qui concerne les shorts et tout ça, vous allez voir toutes les vidéos. Et s'il y a une vidéo qui vous intéresse, vous choisissez juste la vidéo. Maintenant, si vous cherchez la vidéo que vous ne voyez pas, vous pouvez venir là, cliquer là et dans recherche, vous mettez le nom ou bien le pays de la vidéo que vous cherchez et vous allez trouver la vidéo, comprenez. Voilà, donc parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent on ne trouve pas votre vidéo de Montréal. Vous venez là, vous écrivez là Montréal. Si vous cliquez là Montréal, vous allez voir que toutes les vidéos qui concernent l'université de Montréal vont s'afficher ici et vous allez choisir la vidéo qui vous intéresse. Voilà, donc on revient directement à notre bourse, à notre université qui est là. Donc pour les entrants, ceux qui veulent postuler pour par exemple comme ça la licence ou bien pour le master, si c'est la première fois de pouvoir postuler à l'admission, vous postulez juste à l'admission et ensuite ils vont examiner vos dossiers pour la bourse. Voilà, donc ici, si je viens par exemple ici, je viens là apply, vous venez là apply ici, ça veut dire appliquer. Donc si vous venez là, vous allez voir ceux les entrants, c'est à dire ceux qui viennent pour la licence, ceux qui viennent pour le master et le doctorat. Voilà, donc là vous pouvez directement cliquer entre ces deux parties là. Moi je vais considérer que je viens pour la licence, donc je vais cliquer ici. Voilà, maintenant si vous êtes déjà étudiant de là-bas, puisqu'il y a plusieurs bourses sur cette plateforme là, si vous êtes déjà étudiant, moi la bourse que je postule, c'est la bourse des étudiants rentrants. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, c'est la première fois de postuler à cette bourse là, lorsque vous venez pour postuler, voilà, directement ils vont examiner votre deux cas, admission et bourse. Maintenant il y a aussi des bourses qui sont disponibles directement ici. Si vous venez dans Financial Support, voilà, il y a des bourses qui sont disponibles. Vous voyez ici First Year Student Receiving Entrance Scholarship Each Year. Donc vous voyez, chaque année, ils octroient 1600 bourses à ces étudiants-là, les étudiants entrants, c'est-à-dire ce qui concerne la licence, le master et le doctorat. Voilà, donc pour pouvoir avoir au moins l'aperçu des conditions pour pouvoir postuler à ces bourses-là, si vous lisez les éléments qui sont là, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de bourses là, et il y a les bourses qui sont des références, la bourse d'entrée, il y a la bourse des étudiants current student, c'est-à-dire les étudiants qui sont là-bas, vous comprenez. Voilà, et il y a la bourse au boursari, et voilà. Donc ici par exemple comme ça, si je choisis les étudiants étrangers qui sont déjà là-bas,
vous comprenez, il y a un certain nombre de bourses que vous pouvez postuler. Donc, moi, ce que je vais vous dire, ici, si je prends par exemple Entrance Award, ici, Indigenous Student Award, si je prends ici par exemple, voilà, je prends là, après je vais revenir sur, je vais vous montrer un peu les dates, et puis après je vais revenir sur le type de bourse. Voilà. Donc ici, si vous voyez bien, les dates limites sont déjà là. Voilà, ça, ce sont les dates limites de 2022. Donc la bourse qui reste en réalité, qui est en 2022, c'est quoi? C'est la bourse du 1er décembre 2022. Voilà. Mais il y a des éléments de bourse qui sont en termes de, comme je vous ai dit, en termes d'admission et de bourse. Donc, vous pouvez postuler à une bourse, c'est-à-dire ceux qui veulent venir étudier pour l'année 2023, vous postulez à une bourse et vous postulez à une admission et ils vont examiner vos dossiers pour la bourse suivante. Donc, si je viens par exemple comme ça, je me retourne un peu et je viens ici, International Student Award. Vous allez voir un peu ici et vous allez voir s'il y a une date qui vous intéresse pour que vous puissiez au moins postuler à cette date-là et voilà. Donc ici, si vous regardez bien ici, ils ont dit quoi? The International Undergraduate Student Entrance Scholarship was established to reward academic excellence by international student graduating from international high school and entering international study at the University of Manitoba. Donc ici, pour pouvoir accepter, pour pouvoir avoir cette bourse-là, il faut être d'abord étudiant international, c'est-à-dire un étudiant qui a besoin d'un visa pour aller étudier là-bas. Voilà, et à date limite, vous voyez ici, c'est le 1er mars. Le 1er mars de chaque année. Donc, ça veut dire que si vous commencez actuellement, si vous commencez maintenant, voilà, la date limite sera quoi? Ça sera le 1er mars. Et avant de postuler, vous devez payer votre frais les frais d'admission, comme ceux qui ne veulent pas entendre parler des frais d'admission au Canada, alors que vous voulez postuler dans des universités qui sont assez chères, vous comprenez? Et ces universités-là, si vous n'avez pas de bourse, ou vous allez payer une scolarité qui va au moins à 30 000 $, qui représente au moins 15 millions par année. Donc, pour payer une scolarité ou bien des frais de dossier qui partent peut-être à 100 $ ou bien 120 $, vous voyez que ce n'est rien comparé à l'offre que vous allez avoir. Voilà. Et puis, essayez aussi, c'est pas que vous prenez des risques, mais c'est pour votre avenir. Donc, essayez un peu de vous organiser pour pouvoir postuler à ces bourses-là. Voilà, c'est très très important. Donc, ici, pour ceux qui vont postuler, par exemple comme ça, pour les étudiants de premier cycle en France, voilà, voici un peu les éléments que vous pouvez avoir si vous obtenez une bourse entière ou bien une bourse partielle et tout ça, parce que c'est possible. Vous pouvez obtenir une bourse partielle aussi, donc c'est pas à négliger. Voilà. Donc, tout va dépendre de vos dossiers, des éléments que vous avez dans vos dossiers. Sachez que lorsque ces universités là, ils font un peu des entrevues, c'est à dire lorsqu'ils examinent vos dossiers, ils se portent pas directement sur votre moyenne, mais parfois aussi, s'ils ont besoin de personnes en mathématiques, ils se focalisent un peu sur les facultés, sur les moyennes que vous avez dans les facultés différentes, dans les matières différentes, vous comprenez. Voilà, donc ne dites pas que c'est parce que vous avez dit des moyennes que vous n'allez pas pouvoir postuler. C'est vrai, vous avez dit des moyennes, mais la faculté que vous souhaitez, peut-être que la faculté là a besoin seulement de votre moyenne qui se trouve sur la matière qui dirige la faculté. Si vous voulez étudier par exemple le droit et que en droit peut-être vous avez eu au moins 15 de moyenne, alors que en ignorement vous avez eu une moyenne qui est un peu basse, vous voyez un peu, il peut vous choisir. Donc ne vous découragez pas lorsque vous postulez, essayez de postuler comme vous pouvez. Voilà, donc nous on va aller essayer rapidement, on va cliquer sur apply ici. Voilà, pour aller un peu plus vite, pour ne pas perdre assez de temps. Donc, moi, je considère que je viens pour la licence. Donc, je clique sur Undergraduate Study. Et à partir de là, vous allez voir un peu qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir postuler à ces bourses-là. Donc, si vous voyez ici, General Admission Requirement. Donc, je viens ici, je clique sur les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir postuler à la bourse. Attendez que je mette en français, c'est mieux. Comme ça, vous allez suivre en même temps que moi pour vous aider un peu à comprendre un peu plus vite. Ok, donc ici, par exemple comme ça, vous cherchez à fréquenter à l'université Manitoba. Vos options d'admission sont conçues pour servir les étudiants à toutes les étapes de vie. Ok, nos deux types de candidats les plus courants sont entrée directe, étudiant actuel de secondaire ou étudiant qui a déjà obtenu le diplôme de secondaire mais qui ont complété moins de 24 heures de crédit, entrée avancée, étudiant de plus de 24 heures de crédit
pour tous les étudiants, tous les candidats doivent satisfaire aux exigences de leur programme pour pouvoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, pour pouvoir aller étudier là-bas, vos documents vont dépendre de quoi? Vont dépendre de la faculté que vous allez choisir. Donc ici, par exemple, comme ça, on vous dit des conditions de lycée internationaux, c'est-à-dire pour ceux, par exemple, comme ça qui viennent, les étudiants internationaux, dans un premier temps, vous devez répondre aux critères de quoi? De maîtrise de la langue anglaise. Voilà, donc, vous devez maîtriser la langue anglaise. Donc, même si vous ne maîtrisez pas et que vous postulez, il y aura des entretiens pour ceux vraiment qui pensent avoir la maîtrise de la langue anglaise, mais qui n'ont pas les certificats. Essayez de postuler, vous pouvez avoir des entretiens et si ça se passe bien, vous allez pouvoir aller y étudier. Voilà, donc ici, je vais me retenir et puis vous montrer encore une chose que vous ne voulez pas voir peut-être. Voilà, ceux qui veulent étudier dans les grandes universités mais qui ne veulent pas dépenser. Vous voyez ici, l'application fee, c'est-à-dire pour pouvoir appliquer, c'est $100 pour les étudiants canadiens et c'est $120 pour les étudiants étrangers. Voilà, donc ça sera à vous de voir si vous voulez postuler. Vous devez faire votre maximum pour pouvoir avoir ce montant-là sur votre carte et pouvoir payer directement par carte Visa. Ok, donc nous, on va aller rapidement pour aller chercher à postuler à l'admission. Donc ici, on dit « Find admission requirement and beginning your application ». Donc, vous allez cliquer sur les éléments qui sont là. Donc, je vais cliquer sur ça. Et à partir de là, ils vont maintenant me demander de trouver, on dit ici « Select your program ». Donc, your faculty, bon, je vais mettre en français comme ça. Vous allez suivre en même temps que moi. Si ça ne passe pas en français, alors je serai obligé de vous traduire cela. Ok, donc il n'y a pas d'option pour français. Alors, select your program from the faculty college. Donc ici, on doit sélectionner notre programme. Je considère que je viens pour la licence. Je considère que je viens. Vous voyez, il y a la médecine, il y a l'ingénierie et tout ça. Il y a la langue anglaise aussi, il y a l'environnement et tout ça. Donc moi je considère que je viens peut-être pour l'agriculture, voilà. Et pour l'agriculture, quelle option d'agriculture? Ici je prends agriculture et ça. Ok, donc pour l'agriculture, pour l'admission directe, voici ce que vous devez avoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, voici les recommandations. Vous pouvez cliquer là et vous allez voir tout ce dont vous demande pour pouvoir postuler en tant qu'étudiant qui veut postuler en agriculture. Voilà, maintenant, voici les dates limites pour l'agriculture, c'est ce que je vous avais dit. Si vous choisissez une faculté, vous allez voir les éléments de date limite qui s'appliquent à la faculté. Donc, voici un peu les éléments de date limite d'application qui s'appliquent à votre faculté. Voilà. Donc, ici, par exemple, ceux qui viennent, je vais prendre un exemple, ceux qui viennent pour la rentrée de septembre, ceux qui veulent postuler pour septembre prochain, l'application sera ouverte le 1er octobre. Voilà. Ou bien, l'application sera ouverte aussi le 1er novembre et ça va prendre fin le 1er mars 2023 ou bien le 1er mai 2023. Maintenant, ceux qui veulent aller étudier là-bas, c'est-à-dire à l'université Manitoba, mais en janvier, vous voyez là, ceux qui veulent aller étudier en janvier, c'est possible. L'ouverture, c'était déjà en mai, ils ont déjà ouvert en mai 2022 et ça sera fermé en octobre 2022. Donc, je considère que je postule pour cette option là, vous comprenez? Donc si je postule pour cette option là, ici on dit quoi? Admission the winter terms is on a space available basis only. Donc ici, si je veux postuler, je vais commencer déjà à cliquer sur start your application ici, voilà. Ou bien si vous voulez voir quels sont les éléments qui vous sont destinés, vous pouvez cliquer là et puis voilà, essayer de postuler et puis essayer de voir ce qui va se passer. Mais si moi je dois commencer, je clique là, start or continue your application. Donc si je clique là, on m'envoie sur les plateformes pour pouvoir créer mon compte. Dans un premier temps, vous devez créer votre compte et lorsque vous finissez de créer le compte maintenant, vous allez maintenant essayer de faire quoi? De postuler pour l'admission. Donc ici c'est pour ceux qui ont déjà un compte, ici c'est pour ceux qui doivent créer le compte. Donc create an account. Donc le mail, je vais mettre mon mail pour aller directement. Donc, j'ai un mail que je prends pour la bourse. Ok. Ok, donc ici, je vais prendre un nom. Le nom, c'est quoi?
Voilà, mon premier match, je vais prendre peut-être. Ok, la date de naissance, pour une licence, je pense que je vais prendre 2006. Voilà, 2006, je vais avoir au moins 2006 avec 22, 16 ans. Je vais prendre 2000, 2002, je serai un peu au moins à 20 ans. Ou bien je vais prendre 2003 pour 19 ans. Ok, donc je prends 6 et je prends 2003. Voyons voir. 2003. Voilà, et je continue. Donc, si je continue, ici on me dit quoi? On me dit: A temporary pin has been sent to your email address. If you don't receive this email in a few minutes, please check the junk email order. Donc, ici on me dit que ils ont envoyé un mail dans mon compte. Voilà, c'est l'élément qui est là. Donc, on me dit d'aller là-bas, d'aller voir. Et si je n'ai pas encore reçu, dans quelques temps, j'essaie d'essayer de regarder dans mon spam. Parfois, ça se retrouve là-bas. Donc, moi, je vais aller voir sur mon mail, sur mon compte, et puis de là-bas, je vais voir s'il y a un code qui m'a été déjà envoyé. Et puis, par rapport à cela, je vais l'utiliser pour pouvoir postuler. Donc, on y va, les gars. Ok, donc quand je viens là, je viens dans mon compte, je vois que il y a ici, j'ai reçu un message et j'ai reçu le mail qui est là. J'ai reçu le code qui est là. Voilà, donc c'est le code qui est là. Si vous trouvez pas le code, vous allez venir dans votre spam qui est ici, le spam qui est là. Voilà, si ça ne vient pas directement sur votre compte, vous venez dans le spam qui est là, vous cliquez là, vous allez voir le code là-bas. Donc ici, moi je vois le code ici, je vais cliquer là, je copie et je reviens sur le site pour pouvoir indiquer là. Et je colle là. Voilà. Je finis. Je remets ma date de naissance. J'avais pris le 6, je crois. Et j'avais pris 2023, je crois. Donc, arrivé là, je fais un login. Voilà. Et j'attends que ça me revienne. Donc, maintenant, une fois que c'est ça, on me demande maintenant de rentrer mon mot de passe. Donc, le mot de passe doit avoir au moins un grand caractère. Doit avoir au moins 12 caractères. Donc, vous devez mettre au moins 12 caractères. Alors, essayez de voir comment est-ce que vous allez faire. Donc, d'abord, je peux commencer par une lettre majuscule. Donc, je commence par une lettre majuscule. Et puis, le reste, je vais essayer de mettre des numéros et tout ça. Donc, je commence. Ok, vous voyez que c'est déjà, tout est déjà bon. Donc, je repars maintenant ici. Je remets les mêmes éléments. N'oubliez pas, ça doit faire 12 caractères. Alors, essayez de le mettre à 12 caractères. Vous voyez, tout est passé en vert. Ça veut dire que ça va. Donc, je fais un set passport. Un set password. Voilà, donc ça veut dire que j'ai déjà enregistré mes mouvements. J'ai déjà tout mis. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de continuer à postuler. Je vais maintenant essayer d'indiquer mes éléments. Vous voyez ici, ils ont mis Welcome Learner. Voilà, même si le nom est un peu bizarre, mais c'est pas grave. C'est juste une manière de vous montrer comment ça commence et puis comment est-ce que vous devez suivre vos dossiers. Donc, à partir de là, on me dit Start a new undergraduate application. Voilà, donc je peux cliquer là. Maintenant, ceux qui ont déjà commencé, vous pouvez cliquer là. Si vous avez déjà commencé, vous pouvez cliquer là. Voilà. Si vous n'avez pas encore commencé, vous cliquez là. Si vous avez déjà commencé, vous cliquez là. Donc ici, je clique sur Start New Application. Voilà. Et ici, pour Undergraduate, je clique Create Application. Voilà. Et j'essaie maintenant d'aller mettre mes documents, mes éléments en ligne. Donc ici, je vais faire un break. Je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo prenne assez de temps. Donc déjà, pour ceux qui voulaient postuler, qui ne savaient pas comment faire, vous allez directement savoir maintenant comment faire. Vous allez mettre vos éléments, vous allez suivre le dossier jusqu'à la fin. Voilà, moi je vais faire une pause et puis après, peut-être je vais revenir sur ça pour pouvoir continuer à postuler. Parce que à partir de là, c'est assez facile. Une fois que vous avancez, vous remplissez tout, vous cliquez sur continue, continue, continue et vous avancez jusqu'à soumettre votre document. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samuel Spita, je prends soin de vous et puis voilà, à plus.